Un célèbre explorateur a dit un jour: les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Alors que tout semblait perdu, j'ai trouvé la vérité. Et j'ai su qui je devais être. Skyou, bienvenue, c'est Pierre Kirol, on est sur YouTube et là, il faut vous abonner, absolument, faut mettre un pouce, ou alors un dislike si vous voulez, et un commentaire, et n'hésitez pas sur les commentaires, hein, si vous avez des commentaires haineux et des obligeants, n'hésitez pas à les mettre, c'est toujours ça de gagner pour le référencement, surtout que je ne les publierai pas puisque je les contrôle tous, alors n'hésitez pas à perdre votre temps les haters, allez-y. Sur ce, alors, on va tester un dernier ajout là, aujourd'hui ou hier, dans le Game Proot de Microsoft Xbox. Ils nous ont mis Tomb Raider Definitive Edition. Je suppose que c'est tout. Alors, on va aller dans les options et baisser un peu le son parce que, nom de Dieu, ça pète sa mère. Hein.
Ah, il y a des zombies dans Tomb Raider maintenant. Le Cosbins. Ah. Bande dessinée en anglais, en oui. Petit joueur, on peut jouer multi. Plein de carré. On va faire. On va faire une nouvelle partie, je pense. C'est quoi ça, continuer? Alors, j'avais joué à ce jeu-là, donc le 5 février 2019. On est quand même le 3 mai 2024. Ça fait mal, ça pique. On va voir si c'est... on va faire supprimer, parce qu'on s'en fout. Voilà. Et on va faire une nouvelle partie. Un célèbre explorateur a dit un jour: les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves. Pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Dans quelque chose, quelqu'un d'autre. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a sauvé. Et elle est sauvée, là. Oh, il y a une belle vue sur les... sur ses beaux yeux. Trop marrant. Très belle vue sur ses beaux yeux. Hein? C'est le son, il est à mort. Ah, c'était quoi ça, un mort vivant? Ah, c'est peut-être Aquaman. Aquaman qui veut pas que tu t'en ailles parce que t'es... Ah.
Ah non, c'est pas Coman, c'est Zombieland. Ah ouais. Bon, c'est encore un film d'horreur. Putain, mais ils peuvent pas faire des jeux sans film d'horreur. Bon, on a la tête en bas, on avait vu. Il aime bien, le sang lui monte pas la tête, elle est même pas rouge. On va dire que ça fait seulement 5 minutes qu'elle est là. Ça croyait que c'était un gros pic. Arrête de râler. Et en plus, c'est une héroïne. Pas mal. Putain, c'est un jeu glauque. Pas très glauque. Et avant, ça grosse. Bon, ça va. Niveau cul, bien aussi. Non. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Bah, à mon avis, c'est un. C'est un. Une discothèque ou un parc d'attractions. C'est là ou l'autre? Le mec, il entend pas que j'arrive à... Oh non. Il a dû m'entendre. C'est pas vrai. On va essayer de s'en sauver. Mais un jeu, ça fait peur avec les zombies. Voilà, voilà. Oui, ça se voit tous les deux. Oui, bien sûr. Allez, faut que j'avance. Oui, bien sûr. Il voulait juste t'aider en te mettant un pic dans le cœur. Ça va. Eh oui. On t'avance, bébé. C'est pas vrai. La marée.
fort je sens ici. Ah, du feu. Merci, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin ? Je suppose que c'est ça. Ah. Il va y avoir un truc et il faut que je sorte de là. Il s'éteint une fois quand tu tombes dans l'eau. Formidable, formidable. Là, il y a plus. Comme ça. Encore. Oh putain, c'est pas possible. Ah, ça me fait chier comme type de jeu, moi, ça. On recommence où, là? Donc ça va, on a... Voilà! Moi, c'est fini, j'ai mort. J'arrête pas de me faire chier. Incroyable. Putain, quand ça gueule, ça te pète les tympans. Bon, bah, on est sorti cette merde. C'était pour vous montrer un peu. Donc
c'est juste un vieux Tomb Raider sur lequel ils ont remis une petite couche de vernis pour faire beau. Le canot de sauvetage. Mais où sont-ils? Ouais, chouette. Ils ont dû avancer dans les terres. Morts, tu crois. Ok. Évidemment, il y a... Doucement. Il y a toujours des troncs d'arbres entre les fontaines. La nature a toujours mis un tronc d'arbre où il faut. Splendide. Vas-y, à quatre pattes sinon. Ok. Elle est quand même sportive cette fille. Bon, ça se voit, hein, un cul bien foutu. Ça me fait chier. En Tomb Raider, c'est ça de toute façon, hein. C'est beaucoup de plateforme. Hein. Je peux y arriver. Il faut s'y attendre. Hein. Je suis pas mort, c'est bien ça. Bientôt. Putain. C'est stressant, hein. T'as pu sur un et encore sur un. Le sac de Sam. Regardez les trucs pour soigner, c'est juste ça. Sam, je suis morte. On m'a explosé la gueule. Bah, une arme, moi, au moins. Un flingue, hein. Oh. Putain, bah, ça sert à la caméra. Sam, Ross, est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que je les retrouve. Bon, il fallait reprendre là. Non. Ok. Je suis gaufré comme une merde. On a vu, c'était fait. C'était fait exprès. Des attrapes rêves dans les arbres. Là, tu peux faire un feu. Regarde, tu peux faire un feu. Ouais. Vous pouvez pas voir l'eau de puits juste avant.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez. Bah vu comment tu t'es écrasé dessus depuis tout à l'heure, à mon avis, tu vas plus être mort. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens à quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Hé, Sam. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Vas-y, rattrape-le! Non, non, mais c'est ta chance, là! Mais comment on peut passer ça? Ah si, on peut passer en appuyant sur le petit bouton select, le bouton gauche à côté de start. On peut passer ce baratin. Est-ce qu'on peut passer ça aussi? Voilà. On peut passer le baratin qui nous sert à rien et qui sert à rien du tout. Je peux pas rester là. Pareil, est-ce qu'on peut passer ça? Il faut que je trouve quelque chose à manger. À manger, vite. On peut pas courir? Non. Là, il y a un chevreuil qui vient de passer. Oh mon dieu. Le pauvre homme. Bah non, à manger. Cet arc me sera utile. Surtout qu'il y a un chevreuil qui vient de passer et qu'il a disparu comme ça dans la flotte. Ah, d'accord. Faut que je monte sur la truc, d'accord. Pas chasser à main nue. Je peux y arriver. Bien sûr, tu peux y arriver. Voilà. Il est mort. Ton arc que tu prends, il est mort depuis que tu perpètes. Voilà. C'est un bel arc. On va voir si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Je suis trop affaibli. Il faut absolument que je trouve à manger.
Voilà, ça c'est fait. Oula. Mais qui les a laissés ici ? Ton avis. Vous chassez combien de temps pour avoir à bouffer ici? Là, là. Manger. On s'en fout, c'est une biche. Désolé. Ah, il faut que tu bouffes. Hein. Bah alors, tu vas ? T'es plus longué, hein. Bon. Retour au camp. Écoute, Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et des étoiles, et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Un lapin, c'est pas envie non plus. Ça fait penser à beaucoup d'infiltration quand même.
Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross! Sarah! Tu es en vie! Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non! Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma Lara, faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Bah attends, on s'en fout. Je vais vous montrer. De la musique ? Ah oui, la musique. Ah, la porte est ouverte maintenant. Bien sûr, tout à l'heure elle était pas ouverte, mais maintenant elle est ouverte. Y a quelqu'un ? Tout à fait normal. Qu'est-ce que c'est que ces symboles ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Oh non, c'est de la folie. On trouve des trésors, on les pique. Le mot traditionnel représente une méchante femme à l'apparence de démon. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. Ah. Parce qu'il y avait des traces blanches dedans. Parce qu'il y a la peinture blanche, eh ben... C'est quelqu'un de la noblesse. Ah ouais. C'est bien. Splendide. C'est bon, une bonne hache. Attends, t'as une hache. Tout ça pour ça. C'est un peu glauque, hein. C'est dangereux d'avoir des grenichons. Ok. Oui. On a fait du feu. Cherche la fumée. On est en route. Lara, tu es vivante. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons... On passe le baratin. Ah,
Je déteste les loups. C'est fini, il n'a plus, ça me stresse. Il n'a plus. Ouais, c'est bon. C'est pas si mal. Je n'arrive pas à croire que nous menons une... Ouais, c'est bon. Par où commencer? Bon. Je me... Ah bien sûr, il y a une grosse coffre, oui. T'arrives à l'ouvrir, oui. Comment on fait pour améliorer le piolet? Ça ne me dit rien qui vaille. Cul, hein. Lara est en... Bon, ça c'est Lara Croft, hein, voilà. Des loups de merde, j'aime pas ça. Ah putain. Oh putain. Bon, on va arrêter là, ça me gave. Je déteste ce type de jeu. C'est un jeu solo, c'est glauque, c'est sombre. Je sais pas, c'est la mode de jour de faire des jeux comme ça. Enfin, c'est pas mon, du tout mon type de jeu. En plus, c'est juste un vieux jeu avec une couche de vernis pour faire croire que, un, on a fait quelque chose de neuf alors qu'on n'a rien fait de neuf. On est sur Series X en 2024 et on joue à des vieux jeux remasterisés ou repeints avec du vernis. Allez, je vous mets les crédits et c'est bon. Sur ce, amusez-vous bien. Ciao ciao, à plus sur Airbus, les petits cailloux et bon week-end. Ciao.